Ok, bienvenue sur un tour de practice sur Suzuka en rough track. Donc ici ligne droite, donc seul endroit où on peut doubler en course assez facilement au niveau du freinage. Donc ici petit chemin perpendiculaire, petit coup de frein, je lâche, je laisse couler, de nouveau les freins, je vais chercher l'arc, j'attends, je laisse couler, je vais chercher la corde, 50, 100 sur la petite marque à droite, je vais chercher à gauche, ici petit coup de frein, je colle à droite, à gauche, gaz, frein, 50, 75, 100, petit coup de frein, je laisse couler, 50, 100, ici on reste à la corde surtout à la fin, 50, 100, quatrième, 25, j'attends, beaucoup de volant, je remets le roue droite, 100%, ici on la laisse, elle a la corde d'elle-même, après au panneau 50, on va freiner, on va tomber en 4, sur le vibreur, 100, hop, ça revient tout seul, ici on freine assez fort, on lâche les freins au moment de l'apex, on remet assez tôt, chercher le vibreur de gauche, mais pas trop. Ici, on freine juste après le vibreur. Attention à ne pas bloquer les roues avec l'ABS. Ici, très faible vitesse dans le virage pour remettre très fort les gaz en sortie. Ici, on coupe sur la petite trace verte. Ici, peu de volant pour maximiser la vitesse de pointe. Donc, on va arriver jusqu'en 6. Ici, petite route perpendiculaire à droite. On freine, on enlève une ou deux vitesses dégressives. 50 de gaz. On freine tout doucement. On attend. On plonge, 75, 100. C'est important d'avoir 100% des gaz avant la fin du vibreur de gauche pour avoir une vitesse de pointe optimale dans cette ligne droite. Ligne droite où on va éviter de doubler parce qu'au bout c'est un peu dangereux en course. Ici, au deuxième panneau, je lâche, 50, je tourne, 100%. Quand je dis je lâche, je reste à 25% de gaz. Ici, au 100, je freine. J'attends, je reste large, je coupe pas, gaz, petit frein. J'attends gaz. Donc quand je dis j'attends, je suis à 25% de gaz. C'est parti pour un deuxième tour. Donc comme dit, dans la ligne droite, on peut utiliser la spi pour doubler au bout sur le freinage. Et après, on peut faire du two-way dans les courbes qui viennent. Donc ici, après le petit chemin perpendiculaire, petit coup de frein, je lâche. Je retrouve le gaz dans les freins. J'attends, je reste corde, 25 de gaz. 100% sur la truc verte. J'élargis. Ici, je freine tôt, un tout petit peu pour 100. Je freine, 50, 100, je freine un peu, 50, 100, ici je peux attendre mais à la fin je reste bien court pour pouvoir remettre 50, 100, 25, j'attends, 100, surtout si je vois le vibreur à droite, il faut rechercher l'intérieur tout de suite, parce qu'après on a les roues dans l'herbe, donc ici au 50, je freine, quatrième, passant tout de suite parce que j'arrive un peu trop vite, je freine assez fort. Donc là j'étais un peu trop large, on peut couper sur le vibreur de droite, mais ça déstabilise la voiture. Donc ici juste après le vibreur, hop, je freine assez fort, puis dégressif, puis j'essaye de tourner le maximum pour remettre les roues droites d'un coup avec le pied dedans en première, le plus tôt possible, histoire de partir comme une balle. Ici je coupe sur le vert, j'utilise peu de volant, je laisse élargir, ça maximise la vitesse de pointe. Ici dans la route perpendiculaire à droite, je freine, dégressif, je freine, je lâche, 50, 100, je freine un tout petit peu, j'attends, je rentre, 50, 100, donc 100 juste avant la fin du vibreur. Ici on peut élargir un peu à droite, donc les roues droites dans le vert à droite du vibreur au maximum, sinon c'est off track. Donc ici au panneau, au poteau, après le 100, je déleste à 25%, au 50, je tourne doucement pour garder le grip, et 100% sur le vibreur. Ici j'évite complètement le vibreur de droite qui fait glisser, au 100 je freine, je vais chercher, ah j'arrive trop fort, gaz, on récupère le train avant ici, puis on sort, donc 50, 75, 100, contact x 0, ouais, ok c'est un bug, voilà, donc on va essayer de refaire un tour, donc ici juste après l'asphalte à gauche, petit coup de frein, je laisse couler, de nouveau les freins, je vais chercher large, J'attends, 100. Voilà, ici, je plonge tôt avec un petit coup de frein s'il faut. 100, je freine. 75, 100. J'ai dû contrôler, j'attends. 50, 75, 100. Ici, on laisse un peu élargir, puis on retrouve l'intérieur. Ici, elle a complètement glissé. On attend. 100. Je lève un peu parce que j'arrivais un peu trop... vers l'extérieur. Ici on attend, elle se referme toute seule la courbe. Au 50, on plante les freins. Au vibreur, on accélère à fond. Là, on freine tard. On dégressif. 25, 100.
Ici, on reste bien large. On cherche le vibreur et juste après le vibreur, on freine. Première, vraiment doucement pour remettre au droit et à fond tout de suite. On part comme une fusée. Ici, on coupe sur le vert. Donc, quand on part comme une fusée, il ne faut surtout pas avoir d'efforts légers latéraux au niveau du train arrière, sinon c'est tête à queue. Ici, donc, petit chemin à droite, je freine, dégressif, j'attends, je freine, hop, gaz à fond, je freine, j'attends. Petit coup de frein pour aider, plein gaz. Donc là, je pars en survirage, donc j'essaie de la contrôler. Donc là, je suis resté plein gaz parce que bon, c'était possible, sinon il faut lâcher un peu. Ici, 25%, je tourne sur le vibreur 100. Alors si vous avez coupé sur le vibreur de gauche, il suffit de prendre la chicane un tout petit peu au ralenti et le drapeau noir va s'en aller. Si vous passez comme ça, là, tranquille, hop, ici, le drapeau noir, il s'en va. Donc, ça ne sert à rien de ralentir expressément, on va dire. Donc ici, après la route perpendiculaire, petit coup de frein, je lâche, j'attends, je refreine, je reste bien à l'extérieur. J'attends que ça se referme 25, 50, 100. Je peux chercher à gauche, assez large, il n'y a pas de problème. Ici, je tourne tôt pour être sur la trace verte, limite plein gaz. Je freine 50, 75, 100 en troisième. Ici, je freine un peu, je laisse couler 50, 75, 100. Ici, on peut laisser élargir, mais à la fin, il faut bien rester intérieur pour remettre ici, aller chercher bien loin 25%. Où là, j'ai carrément lâché. J'aurais pas dû parce que voilà, je suis en train de me survirer. On la récupère comme on peut. Donc comme dit, c'est important d'avoir pas mal d'appui ici dans la course parce que c'est pas pour les 20 km/h qu'on va gagner en ligne droite. Après, on va se vautrer dans tous ces virages. Donc ici, ouais, j'étais à la limite. Vous voyez, les roues gauches peuvent aller dans le vert à gauche du vibreur sans qu'on tape de off-track. Donc ici, vraiment, mettre beaucoup de volant quand on a une faible vitesse. Redresser tôt et lâcher tous les gaz. On freine, on freine encore, on lâche, 75, on lâche, on attend, plein gaz, c'est pas possible. Donc un truc que j'ai vu à chacune de mes deux courses, trois courses, donc ici, imagine on arrive trop vite, ah, on arrive trop vite, donc il faut surtout pas rester là, il faut se mettre ici, re-rentrer pour éviter en fait le tête à queue inévitable.